What's a dollar to a donut? I'm not really sure. She's trying to act really clean, but she not really pure. Wanna touch, make you feel me for. Got no time for a Alors, moi, je pourrais passer mes journées. Mesdames et messieurs, le vlog, je répare ma RS6 V10 5 litres. Ouais, ta RS6 de 2008, ouais, non, elle est de 2001. Youngtimer, mesdames et messieurs. Alors, on est chez M-Auto, 13 chemin du Charbonnier, 69800 Saint-Priest. C'est le garage des rats. Regarde, il n'y a que du Young. Ça, par exemple, on voit un moteur Audi V6 3 litres 2. 250 chevaux. Celui qui équipe aussi le moteur de la Golf R32. Alors, je présente Aké. Il est là, Aké. Aké, tout le monde le connaît dans la région lyonnaise. Il y a son frère Bubu qui est là. Bulent. Le garage dont on vous parle tant, bien sûr, c'est un garage pas spécialisé, mais il n'y a que des grosses vagos ici et c'est ce qu'on aime. Pourquoi on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'aime la mécanique et je suis un young timer. Qu'est-ce qu'on a ici, mesdames et messieurs? On a une Audi RS6 C6 de 2008. Il n'y en a eu que 2 ans parce qu'ils ont vite arrêté. V10 TFSI. On a le bloc ici de la Lambo Gallardo. Sauf que la Lambo Gallardo, il est atmosphérique. Ici, on a un 5 litres. On peut le voir ici. Biturbo, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a? 580 chevaux d'origine, 650 Nm de couple. Autant te dire que c'est un Scania, le bordel. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Ben, on a changé, on a fait les réflexions des 200 000 km, changé tous les joints de cache-culbuteur. On a changé les bobines d'allumage, on a changé les bougies. On a eu aussi la fuite où c'est la maladie sur ces véhicules-là. On vous les montrera après. Et on a décidé de faire tomber le moteur parce qu'on n'a pas accès. C'est un moteur qui est monté au chausse-pied, mesdames et messieurs. Donc voilà, on a changé l'étendeur ici. On a réparé les fuites d'eau. On a changé le joint de la pompe à huile, qui est une maladie aussi. On en a profité. Un moteur, il fait peur quand il est sur une voiture. Mais dès qu'il est sur une table là-bas, tu peux lui faire le cul de partout. Alors frérot, Aké, est-ce que tu peux nous dire, il reste quoi? Donc là, on va le remonter, on va l'emboîter comme papa dans maman. Exactement. Là, ce qu'on va faire, on va tout remonter. On a beaucoup de travail à faire en dessous. Donc, une fois que tout le moteur sera remonté entièrement, on va le fixer sur la caisse. Et on va redémonter ensuite par la suite le berceau pour pouvoir faire plus de travail en dessous, au niveau des joints de carter, tout ça, qu'on aura plus accès en dessous. Et une fois, de toute façon, qu'on aura fait tout ça, il ne nous restera plus grand-chose. Hein, on a remis tout le véhicule à neuf. On a fait vraiment les problématiques qu'il y a dessus. On a beaucoup de choses à revoir dans la révision. Les problématiques chroniques, frère Aké, te rappelle quand on te l'a ramené? Quand on te l'a ramené, bon, on avait eu un espoir de pouvoir rentrer le tuyau qui nous faisait chier, mais finalement, fallait descendre. Exactement. Parce que pour une durite, on a été quand même obligé de descendre le moteur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme il vous l'a dit le frère. Donc, il a une équipe super au top. Il est avec son associé Bulent qui est là depuis des années. Ils sont là, mesdames et messieurs. Et wallah, moi, je peux te montrer, la M5 qui est là, c'est lui qui m'a monté le moteur. Les frères, ils montent des moteurs tous les jours. Là, on va voir la manière dont ils vont placer un petit peu le moteur. On a l'ensemble moteur-boîte, mesdames et messieurs, avec la boîte ZF, cette fameuse boîte 6 rapports automatique, séquentielle, au volant. Putain, je kiffe! Wheelers, dealers, c'est nous!
elle n'a pas dormi une fois dehors, non, ça va se voir. Elle, elle a 200 000, elle. 216 000. Vas-y, avec plaisir. Frérot de Paris. Parce qu'ici, les Parisiens, ils sont le bienvenu. Et je parle des frères, des vrais. Le frère, tu as vu la pub sur mes réseaux et tu t'es dit, je vais venir. Sur Snap. Voilà, il a ramené sa magnifique Audi, qui a le même moteur que la Golf GTD. Et bien sûr, il l'a ramené ici parce qu'il va la réparer chez M-Auto. Pourquoi chez M-Auto? Parce que tu as Hacké, qui est BMW, et tu as Bubu Bullen, qui est Audi. Regarde l'affaire que le frère, il avait fait. La voiture, elle a 200 000 km. Est-ce qu'on peut montrer l'état des... Non, mais l'état du cuir, là, je suis en train de coller. L'état du cuir et l'intérieur, on dirait, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Entretenue chez Audi de 0 à 200 000 km. Donc là, c'est normal. Elle a quelques petits problèmes. Et ben, le frère, il est venu de Paname. On le remercie. Hein. Ce n'est pas le seul à venir. Hein. Les gens, ils viennent de la France entière ici. Et puis, pour la ramener, pour la faire réparer. Et on vous dira le diagnostic et la réparation. Parce qu'ici, tout se répare. On est chez M-Auto. Averne BMW. Ouais, à mes yeux. Il l'a acheté là-bas. Tu l'as acheté à Averne. Mais en fait, ils ont trouvé une manigance. En fait, ils ont fait une manipulation de faire entre l'ancien propriétaire à moi. C'est-à-dire... Sans il... passer par Averne. Voilà. Fils de... Et vu que l'ancien propriétaire... Et toi, tu t'es fait avoir. Moi, je me suis fait avoir. En fait, j'ai acheté le véhicule chez le concessionnaire garage Alain Verne, à mes yeux. Attends, je t'arrête, excuse-moi. Tous les Lyonnais, vous connaissez Alain Verne? Moi, je le connais, Alain Verne. Alain Verne, c'est un mec, à l'époque, il voyait ta BMW rentrer, à l'oreille, il pouvait savoir elle avait quoi comme problème. C'était un spécialiste de BMW, la preuve, parce qu'il est très, très nasillard sur les bords. En gros, dès qu'il voit des grilles avec les BMW, il n'est pas content. Donc, Alain Verne, ils t'ont fait quoi, en fait? Ils ont fait passer cette voiture? Voilà, en fait, ils m'ont vendu le véhicule. Ils m'ont vendu le véhicule de l'ancien propriétaire à moi, sans mettre le nom d'Alain Verne dessus. C'est-à-dire, en fait, là, j'ai contacté l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire, il fait le mort. Il ne veut pas me rembourser, il ne veut pas payer les réparations, rien du tout. Et parce que, pourquoi? Parce que le véhicule, il a été reprogrammé en 2017 et la garantie ne prenne pas en compte. Ouais, quand il y a des reprogrammations, c'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez vos reprogrammations de merde. Exact, les frères, vous avez des 2 litres diesel, vous voulez qu'ils ont 800 chevaux? Mais arrêtez de planer, ça sert à rien, les garanties elles partent et ça ramène strictement rien. Merci d'être passé frérot. Je me suis fait arnaquer 15 000 balles. 15 000 euros ? Et là je suis à plus de 1 000 euros de frais de dépannage, de diagnostic chez OG, etc. Je suis à plus de 1 000 euros. Mais Alish frère, on est des Young, on aime les véhicules. On se fait avoir une fois mais on ne se fera pas avoir une deuxième fois frérot. On a pas nos erreurs. Hein. Là t'es là, t'es le bienvenu, t'es ici chez toi. Tu veux un casse-dalle, de la fume, tout c'est là, on est là, on te ramène. On va faire un diagnostic. Les frères, déjà, Hacké, il est là. Tiens, Hacké, tu peux nous dire à peu près ce que t'as entendu dans le diag? Au niveau du diagnostic, on va commencer par un diagnostic, on va voir ce qu'il y a là. Et il y a de grandes chances que déjà le moteur ne soit pas mort, foutu, qu'il ne soit pas changé complètement. On peut faire peut-être les réparations, la réparer. Et de toute façon, comme je l'ai dit, diagnostic, il est offert. Il est offert. Il est offert, bien sûr. C'est les réparations, elles sont faites chez nous. Nous, toujours, le diagnostic, il est offert. Donc, au niveau de ça, il n'a pas de souci à se faire. Il est bienvenu. Ce ne serait pas les 270 euros de chez Audi, déjà. Voilà, c'est important de dire ça. Le diag, il est offert. Ça veut dire que tu viens chez le Kardesh, le diag, il est offert. Il va te dire ce qu'il y a. En tout cas, frérot, toi, ici, tu es chez nous, tu es le bienvenu. Si tu as besoin de haja, ou dormir, ou te manier, tu nous dis ici. C'est comme si tu étais chez toi. Merci, les gars, vous êtes au top. Problems like a bitch, want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Yeah, you keep bitching about your problems like a bitch, want me to solve them. Keep bitching about your problems like a bitch. Je sais pas quoi vous dire. M-Auto, zéro défaut. Alors qu'est-ce que t'as fait, Bassem, dessus? Bah rien, je veux te dire là. Au début, on voulait faire une réflexion d'un tuyau, un tuyau d'eau de merde. Mais on a vu que le tuyau incriminé était à l'intérieur et donc fallait qu'on sorte le moteur. Donc vu qu'on a sorti le moteur, on en a profité parce qu'on est des passionnés, évidemment.
on en a profité pour rectifier tous les petits joints qui pourront nous faire chier. On a fait, en fait, c'est-à-dire, on a fait de la réparation, on a beaucoup anticipé. Parce que tu vois, sur ce genre de véhicule, il y a par exemple un joint de la pompe à huile qui, si tu l'enlèves pas, c'est un joint à 3 euros, va te niquer la boîte, il va te niquer le moteur. Bien sûr, on a pris du temps, parce que c'est de l'orfèvrerie, des moteurs comme ça, on n'en fait plus. Et chez M-Auto, c'est des gens qui touchent à ces moteurs-là. Même les moteurs, ils sont devenus swag maintenant, ils sont devenus métis, ils sont devenus... Ça, c'est des vrais blocs. Et mesdames et messieurs, on a fait tous les réglages qu'il fallait. Pendant qu'il y a d'autres garages, tu leur emmènes ça, ils bégayent, mais bon. Et puis on va essayer, on va voir ce que ça donne. Déjà d'entrée de jeu, tu vois que ça tourne comme une horloge. Et c'est passionnant de voir, on va vous montrer, hein. C'est passionnant de voir toutes les étapes. La sueur qu'on a mis dedans, le temps, comment on est intéressé, et ainsi de suite. Et moto, c'est pas qu'un garage, c'est un environnement avec des bons frères avec qui on parle, avec qui on plane. Donc c'est pas du tout une pub ou une promotion. Hein. Tout le monde, les gens dans la région lyonnaise connaissent ces Kardèches-là et savent que pub ou pas pub, c'est pas des blagueurs. Voilà. Donc on va essayer un petit peu, voir ce que ça donne. Qui c'est qui a marqué TH là? Bien sûr, ce qui est intéressant avant tout, nous on a voulu vous partager, si vous préférez, une expérience, on va pas dire une expérience humaine, on n'est pas allé non plus creuser des puits. Quand vous dites une expérience humaine, non, ce qui était intéressant dans cette mission-là, c'est d'assister du début jusqu'à la fin. Et surtout, montrer des moteurs que vous ne verrez plus jamais de votre vie. C'est très important. Alors bien sûr, j'aimerais revenir sur le fait que nous sommes des young timers et beaucoup de gens parlent de véhicules et s'arrêtent à l'année, hein, alors qu'ils n'ont rien compris au film, parce que moi je pense que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures sauces. Et je peux te dire par exemple, cette voiture-là, pour moi, des RS6, il y a eu plusieurs séries, là c'est la C6, celle-là, hein, 2008-2010, ils en ont fait que 2 ans parce que trop de chevaux fiscaux sur la carte grise, hein, 51 chevaux. Donc vu qu'ils sont revenus au swagisme, comment ils appellent ça dans les voitures? Oui, parce qu'il y a du swag dans les voitures. C'est le dumpizing, je crois. C'est une sorte de métissage pour voiture, un truc de merde. Et j'ai envie de te dire, on n'a plus ces gros moteurs qui ont beaucoup d'inertie, qui consomment beaucoup. Et c'est une orfèvrerie mécanique. V10, bloc Gallardo, mesdames et messieurs. Sauf que Audi se sont énervés et ont greffé 2 turbos, comme on vous a expliqué. Alors bien sûr, les gens, oui, et tout, c'est une 2008, ouais, mais vous avez rien compris au film. Tu ramènes une 2023, je pense qu'en chrono, je passe devant. Tout ça parce qu'il y a des systèmes qu'il y avait avant qui ne font plus aujourd'hui. Je pense au VAT, turbo à taux variable. Super bon ça, avec un petit overboost. Donc là, nous, on a rectifié le moteur, on a changé tous les joints. On a fait du pré-réglage, en tout cas, pour éviter les grosses pannes. À son kilométrage, c'était l'heure. En tout cas, on est heureux. C'est pour ça que là, on a fini. On a pris le temps qu'il fallait. Mesdames et messieurs, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une moto, hein. Alors c'est une moto. Alors moi j'avais un petit problème, c'était si tu préfères, à cause d'une toute petite pièce, à cause des petites pièces, le papillon restait bloqué, donc il me faisait un défaut moteur à chaque fois. Donc là maintenant on va dire qu'elle respire, hein, elle a fait sa cure de jouvence entre guillemets. Et mais c'est une moto dans les accélérations. On a encore avec ces voitures là qui sentent l'essence. Parce que vous aimez les voitures à ciel étoilé. C'est normal, vous êtes des swags. Nous, on a envie encore d'avoir des voitures qui sentent l'essence. Tu sais qu'il y a une fuite. Tu sais parce que tu la sens. Et j'ai envie de te dire, c'est un environnement qu'on ne retrouvera pas avec les voitures d'aujourd'hui qui sont trop aseptisées, mesdames et messieurs. Alors, ce break de chasse, on l'a appelé pour les papas pressés. Bien sûr, hein, avec un petit siège autour là-bas. Hein, tu voyages à 300. Bien sûr, mais avant tout, les possesseurs de ces véhicules-là, c'est des gens qui ont l'amour de ces véhicules. Tu comprends ce que je veux dire? Tu gagnes pas d'argent avec ces véhicules.
quoique la Audi RSI C6 V10 prend beaucoup en cote. Mais c'est pas avec ces voitures-là que tu vas gagner de l'argent, quoi, entre guillemets. Par exemple, ce bloc moteur-là, c'est un V10, donc c'est un V10 que tu peux gonfler à vie, c'est-à-dire tu peux gonfler. Moi, j'en vois pas l'utilité, je te dis la vérité. Parce que d'origine, 580 chevaux avec 650 newtons en couple, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus, frérot? C'est un moteur de course. Comme ça, ça repart comme une balle. C'est à ça qui sert le couple. Le couple dans une voiture, il sert à avoir toujours la puissance, même à basse vitesse, pour les reprises. Par exemple, regarde, une moto, regarde, accélération, dépassement. Avec le système contrôle, bien sûr. On fait accrocher à la route comme un crapaud. Avec une M5, tu peux pas faire des trucs comme ça, c'est impossible. Tu serais parti là dans les champs directs. Et vive le système contre Audi. Donc voilà, hein, trois modes de conduite. Hein, mode drive normal, mode sport. Drive normal, c'est déjà... Et t'as les palettes au volant, bien sûr. Hein. Donc là, comme on vous a montré, on était en mode drive normal. Donc là, on va passer en mode sport. Et on va voir ça. Bordeaux, j'ai mal au cervical, mon petit pochon, Zabi. Wouah, pète nucléaire. Regarde. Est-ce qu'on va voyager à 85 miles à l'heure? On va remonter le temps. Le temps, le Maghreb, il était fort. Ouais, je valide. Ouais, les motos, moi, je valide. Regarde ça. C'est un aspirateur, ce machin. T'as vu? T'as fait décoller la caméra. T'es ma grand-mère. Un aspirateur, Zabi. Wallah. Regarde comment. T'as pas l'oreille, mon petit pochon. Regarde comment elle tourne. Elle ronronne. T'es fou, frère. Ça, c'est malade. Tiens, on va faire un petit dépassement, pochon. On va faire un petit dépassement, là. Sans prendre de risque. Et encore, hein, j'ai pas fait tomber les yeux. Deux turbos là, frérot. Tout de ma grand-mère. Hein. Si je fais un kick down. Tiens, il va falloir voir ce que ça donne. Ouf. Oh, pop. C'est Hercule, la tête de ma grand-mère. À boire. Ouais, bien sûr, 51 chevaux fiscaux. Ça tourne 17 litres au 100, bien évidemment. Toujours du 98, hein, faut jamais mettre du 95. Toujours le 98. Et pour moi, le meilleur 98, c'est celui de Shell, le rouge. Il y en a à communier pour ceux qui connaissent un bio et tout. Mais ouais. Après, si tu regardes la consommation, il ne faut pas acheter ces voitures-là. Tout simplement. Mais oui, ça boit beaucoup. Beaucoup. En gros, j'ai envie de te dire, c'est un pied de nez aux écolos, les 8 mythes. Voilà. 40 euros, 20 litres, on fait même pas 100 km. Hein, même pas 100 km. Putain, j'en perds mon matin, bordel de merde. Tu sais, quand on aime, on compte pas. Hein. Quand on aime, on compte pas, ce qui paraît. Eh ben putain, on aurait dû compter. Yavol !
Alors les RS6, les nouvelles, ouais, ils ont gardé l'esprit Godzilla qui fait peur. Mais mécaniquement, aucune RS pourra rivaliser avec elle. Et je parle même de la première RS6, celle de... Il s'appelle comment dans le reportage Parigo, là, Roquin, ou je m'en rappelle plus. Renard, Renard et sa RS6. Bon, ben là, à 200, on va commencer à mettre la vitesse. Ouais, là, on est bien, là, on est bien. 280, on est bien. On est en sécurité, il n'y a pas de galère. 290, on est encore un peu mieux. Même les premières RS6 qui étaient des V8 biturbo, 450 chevaux, c'était une révolution à l'époque. Hein. Elles ont pas... Celle-là, c'est des V10. Celle-là, pour emmerder Lambeau, même si c'est la même firme, ils se sont dit, on va greffer double turban. Big dédicace à Monsieur Freya, au quartier, qui me disait « Double merguez !» Il faisait des merguez. Bah ouais, au quartier, ils louent tous. Au quartier, ils louent des voitures pour faire des circuits dans leur quartier, ces clochards. On vous voit, la pompe à essence, hein. Ah, on vous voit, avec voie 45, mettre des 15 boules, et vous êtes 4. Archement, les frères. Là, montre-leur, à Lyon, c'est un passage, là, ce qu'on appelle le virage de la dame morte. Il y a une femme ici qui est morte un jour. Et on l'appelle le virage de la dame morte. Et des fois, elle vous hante. Ah. Wallah, mine de rien, ce virage, quand tu le prends, quand il pleut, tu pars en chelin, il se direct. Il faut faire attention, très attention. La route, le danger, c'est pas toi, mais les autres. Entre guillemets. J'ai pas de cheveux, sinon on les aura arrachés. En tout cas, on est content, on est ravis. Et voilà, comme tu peux voir sur le parking, spécialité allemande, et surtout, que ce soit avec Ake, avec Bulent, avec les frères Kardesh, c'est aussi un environnement propice à la voiture. On est entre passionnés, on parle, on vient te ménique. Nous, quand on vient dans les garages, on n'a pas de panne. Hein. On te ménique juste, on regarde, on essaye d'améliorer. En tout cas, c'est fantastique. Merci pour cette vidéo. Abonne-toi. T'abonnes ou pas, c'est pareil. Parce que c'est comme le porno, tu regarderas en privé. Mais t'assumeras pas. Et abonnez-vous. Bien sûr, si vous voulez d'autres vlogs, à notre sauce, à notre manière, il n'y a qu'à demander. Bientôt des vlogs football, bientôt des vlogs vacances, ski avec les ragondins. Oh là 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 là. Force à vous. Merci beaucoup. Salam alaikum.